désolée, je me réveille. Le programme de la journée, on commence par les Hot Springs. Après, ce sera le Blue Temple. Après, la Dark House, les Long Neck. Donc, on va avoir une tribu où les femmes donc, portent des longs colliers. Ensuite, un petit lunch pour finir par le White Temple. Voilà. Salut, beau gosse. Local, les œufs, là. Alors, il faisait quoi? En train de faire chauffer les œufs à la coque là, ou les œufs durs, je sais pas ce que c'est. En même temps, c'est l'heure du petit déj, il est quelle heure? 9h-10. Ah. C'est levé tôt ce matin. Bravo. Merci. Bon, après avoir vu des vrais trucs en Nouvelle-Zélande, c'est pas ces petits trucs qui pètent là qui vont nous faire peur. Hein. Ils nous impressionnent. Bah oui, c'est tout petit. C'est à peine si on pourrait tremper les pieds. Il y avait une source en haut là pour tremper les pieds, mais c'est bon. Bah, vous l'aurez deviné, on est au temple bleu, au Blue Temple. Merci. C'est tout bleu. Ça te plaît? J'aime beaucoup. Surtout les original, Bouddhas, surtout les Bouddhas qui sont tout blancs. C'est good? Donc avant? C'est bon? Et après? On est dans la Black House, donc c'était lui le propriétaire. Il est mort il y a 3-4 ans. Et donc voilà, c'est une maison qui a coûté 100 millions de bahts. Oui, donc de par la couleur et des peaux d'animaux qu'il y a à l'intérieur, on l'appelle la maison de l'enfer. Vous avez vu toutes les peaux d'animaux, donc crocodiles, serpents, même les chaises sont faites avec des cornes de bovins. Donc voilà, c'est vraiment la maison de la mort. Elle mérite vraiment son appellation, c'est vraiment glauque. C'est good, back dans la voiture. Là maintenant on va aller voir les long-necks. Ouais exactement, les femmes girafes. Et je voulais juste rajouter ce mec. C'est l'artiste le plus célèbre, le numéro 1 en Thaïlande. Et il a été notamment très apprécié des jeunes hein, parce qu'il leur permettait de faire des études. Il a créé un système de bourse, voire il leur donnait de l'argent sans jamais le demander en retour. Donc voilà pourquoi cet artiste est très apprécié en Thaïlande. On avait acheté cet aimant pour continuer notre collection. Et aussi je voulais dire que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, qu'on a fait une photo. Qu'on a fait une photo avec la dame à qui on a acheté ça. On vous la montre? Et dernier truc,
Elle porte des colliers à la base, c'est en protection des tigres. Par exemple, les tigres, quand ils attaquent, ils viennent à la gorge de leur victime. Et elles en portent aussi la nuit sous les genoux, c'est pour protéger des serpents. Bon appétit. Les jeunes, on rentre dans le temple. Je fais quoi, papillon ? Une lunette de soleil, parce que même pour un mètre, je tiens plus du tout là. Ça. C'est joli en tout cas. Hein. Oh, c'est royal, je revis. C'est magnifique. Allez, on rentre à l'intérieur. Je rêvais de venir ici, donc du coup, je suis contente. Je suis contente. Je viens de réfléchir à un truc avec Donia là. C'est qu'ici il y a beaucoup de blancs. Mais quand je dis blanc, je parle pas des gens qui sont autour de nous, sinon je dirais jaune. Voilà. A tout à l'heure. Quoi ? Je comprends pas. T'as pas compris ? Non. Mais les gens comprendront. Des jaunes. Il n'y a pas beaucoup de blancs autour d'eux. Ah oui, d'accord, et tu parles pas des gens. Bah oui. Ah oui, bah oui. Bah, bah oui, parce que sinon ça serait. C'est les vacances scolaires en Chine. Et il y a beaucoup de jaunes. Et en plus, il y a beaucoup d'étudiants chinois qui viennent étudier là, dans le nord de la Thaïlande, parce que c'est moins cher que chez eux. Donc en fait, si vous voulez, là on se croirait en Chine. Voilà. C'est bien de le dire, hein. C'est bien ça. De le dire. T'as acheté un truc ? Oui, c'est une Lucky Leaf. Ouais. C'est une feuille de la chance. Voilà, et puis on va le mettre sur l'arbre. Là, on va le mettre sur l'arbre. Et tu vas y écrire quoi dessus ? Je sais pas. Bah, nos prénoms ? Bah, nos prénoms, tout simplement. Et, par exemple. Oh, t'es trop mignon ! On a bien rempli la feuille. Il n'y a plus de place. Je lis ou pas ? Très joli. Je lis pas ? Non, on va aller la mettre là-bas sur l'arbre. C'est notre secret. Exactement. C'est notre secret. Allez, on va mettre notre petite feuille. On te voit pas, papillon d'amour. Ah. Voilà, c'est on bien. La met ensemble, en même temps. Le guide nous a dit qu'il fallait vous les montrer, c'est les toilettes. Je t'ai trouvé. C'est joli dans les toilettes, n'empêche. Bah moi c'était pas... Moi c'était rien, enfin moi c'est juste des cabines. Voilà, c'est des toilettes dorées quoi. Voilà. Bon, c'est la dernière vidéo avant de partir du temple. Très joli, très très joli. Ouais. Pas déçu d'être venu ici, ça va, il y a la route qui, non, qui était longue mais... Entre ça et le temple bleu, génial. Franchement, on vous le recommande. Et en plus on a eu du bol avec la météo. Allez. Il a plu à chaque fois qu'on était dans la voiture. Allez, on se retrouve à l'extérieur.